Vous souhaitez renforcer la sécurité de votre appareil? Voici comment configurer ou modifier votre code d'accès. Tout d'abord, touchez Réglages, puis Touch ID et Code. Les étapes suivantes varient selon que vous avez déjà défini un code d'accès ou que vous en définissez un pour la première fois. Si vous avez déjà défini un code d'accès, saisissez-le pour accéder aux réglages de code d'accès. Si vous définissez un code d'accès pour la première fois, touchez « Activer le code ». Très bien, à présent, tout le monde peut toucher « Changer le code ». Si vous avez déjà défini un code, vous serez invité à le retaper. À présent, saisissons tous un nouveau code d'accès à 6 chiffres. En choisissant « Options supplémentaires » en bas de votre écran, vous pourrez notamment choisir d'utiliser un code alphanumérique ou un code numérique plus court. Le code à 6 chiffres, qui est l'option par défaut, est sécurisé et facile à retenir. Nous allons donc opter pour cette solution. À présent, confirmez votre nouveau code en le saisissant une nouvelle fois. Vous êtes alors redirigé vers la page Touch ID et Code et votre code d'accès est configuré. Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier le délai avant que l'appareil ne demande le code. L'option par défaut est immédiatement. Comme il s'agit de l'option la plus sécurisée, nous n'allons pas la modifier. À présent, tout votre contenu important est protégé grâce à un code, qu'il s'agisse de messages, d'images ou autres. Pour découvrir d'autres astuces utiles, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire dès maintenant.